Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de I Am Tetsuna. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Tetsuna, c'est dur à dire. On va dire Tetsuna. Un petit accent pour le dire, je ne sais pas. Bon, j'étais remonté, c'était pas le bon coin. Non, c'est ça, il fallait remonter. Tetsuna était sorti, semblerait-il, du bateau. Tetsuna. Ah, vous avez été plus rapide que je ne le pensais. Peut-être vous ai-je sous-estimé. Ne faites plus un geste. Si vous tenez à la vie du sacrifice, je vous conseille de rester où vous êtes. Arrête, mon fils. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Trop tard? Pourquoi exactement? C'est toi qui as tort, père. Il n'y a aucun moyen de savoir si le pèlerinage sacrificiel réussira ou échouera. Et pourtant, tu me demandes de mettre le destin de mon peuple entre les mains d'une incertitude. Kenedepsi. Tout seigneur responsable trouverait une méthode plus fiable pour protéger son peuple. Et vous pensez que passer des marchés avec des monstres est une façon fiable de protéger son peuple ? C'est beaucoup plus fiable qu'un misérable sacrifice. Je refuse de me fier à des méthodes aussi imprécises. C'est mon devoir en tant que seigneur. Avez-vous vraiment conscience de ce que vous faites? Je protège mon peuple. J'ai la conscience tranquille. C'est donc pour ça que Tendreville a été bâti. Tout le monde n'est pas matière à la négociation. Mais aujourd'hui, j'ai l'embarras du choix. En plus de vous tous, j'ai à disposition une mère et sa fille qui viennent d'arriver au village. Vous parlez de cette femme que nous avons vue avec sa fillette. Elle aurait beaucoup à vous apprendre. Je leur ai dit que j'avais une noble tâche à leur confier et elles n'ont pas hésité une seule seconde. Même si, évidemment, je ne leur ai pas dit en quoi ça consistait précisément. Mais je leur en suis très reconnaissant. Grâce à elles, mon peuple sera sauvé. Vous servez d'humain comme moyen de négociation et vous parlez de protéger votre peuple. En effet, j'ai tous les droits de parler ainsi. Bon sang, que le diable l'emporte. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous venir aussi. Amatsu, il est temps de partir, lance le vaisseau. Vous croyez que je vais aider un type comme vous? Pas question. Idiot, imbécile, bande de nigo, vous allez obéir à mes ordres, oui? Très bien. Si vous ne voulez pas piloter le vaisseau, alors je le ferai moi-même. Et attendez, ne touchez à rien, vous savez pas ce que vous faites. Ah, je peux accomplir toute tâche que des moins que rien comme vous peuvent accomplir. Ce n'est pas simple. Arrêtez, je vous en prie. Je vous ai dit d'arrêter. Vous ne pouvez pas pomper l'énergie magique comme ça, de nulle part. Ça va leur tomber dessus, cette histoire, non? Ah, vous voyez, je peux très bien contrôler cet appareil. Un appareil à spirit. Je vous ai prévenu. C'est pas bon. La spirit est hors de contrôle, à ce rythme-là, elle va... Elle va quoi? Exploser. Dans le pire des cas, cet endroit va être réduit en miettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas l'arrêter? Pas tant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de limiter les dégâts avant autant que possible. Alors que vous voulons faire? La seule solution est de détruire l'appareil avant que le spirit n'atteigne sa limite. Non, je ne vous laisserai pas faire. Ce vaisseau volera. Je sauverai mon peuple. Quelque chose approche. Ah, pardon. Quelque chose approche. Encore lui! C'est vraiment pas le moment. Eh oui, je suis Sephiroth. Ah non. Je vous ai trouvé, sacrifice. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Qui êtes-vous? Vous êtes venu me sauver? Quelle chance, bien éliminé. Je dois avoir mon plan. Si j'emmène au moins le sacrifice avec moi. Elle est à moi. Quoi?
disparu. Oula ! Ah, mon fils ! Qu'es-tu ? Pourquoi nous attaques-tu ? Mais pas le savoir. On n'a pas le temps là, il faut détruire l'appareil à Spirit. Oui, on sait. On va te mettre à l'abri. On va te mettre à l'abri. Setsuna, rejoue à votre équipe. Et allez, j'ai pris cher moi. J'aurais peut-être pu me healer moi. Mais quel boulet ! Nous devons détruire cet appareil vite. Ah mais non mais quel... Ah mais non ! Mais quel boulet ! Oh mais ma mada ! Mais quel boulet ! Mais non ! Mais non ! Oh là 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 là, je suis toujours pressé moi à voir ce système de combat là. Est-ce que j'ai un truc antidote? Bah non, j'ai rien. Oh là 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 là. Ah si, j'en ai. On l'a toujours pas touché en fait. Allez, ça y est. T'en prends un peu de base. Ah, le mur ça sert bien quand même. Hein. Je sais pas combien de temps ça va durer par contre. Ah, okay. Ah oui. C'est déjà fini sans... sa provocation. Raté. Yarzo. Toi, tu vas nous faire un petit soin là-bas. Ah.
Agatégoï. Ouais, parce que là, tu prends pas du tout la voix au chef. Hein. Imor. Yixé. Il a été moins violent que le... Ah, faut détruire ça. Ah c'est ça, onde protectrice. Ah c'est solide ça. Ça ne peut pas la faire ce truc. Du level en plus c'est bon. On a réussi. On dirait. Père, pourquoi m'avoir protégé? C'est de ma faute. J'aurais dû t'arrêter plus tôt. Je dois racheter tous les morts que j'ai causés au prix de ma vie. Père. Toi, tu dois vivre et te repentir de tes péchés. Un seigneur doit être fort, il ne doit jamais se laisser aller à la facilité. Tu dois rester déterminé. Tu ne dois pas succomber aux monstres. La survie de ton peuple est plus précieuse que tout. Fils. Oh Père, je... Tu es... Ce vieil homme nous a sauvés. Père... Setsuna... Oh, Setsuna a été touché. Il était avec nous. Ses blessures. Quand la spirite a explosé, Setsuna m'a protégé. Il a pris toute la puissance de la spirite en plein fouet. Cela affecte ses fonctions physiologiques, pardon. Sa vie n'est pas en danger, mais la magie ne la soignera pas. Ok, allons-y. Où ça? Si on va à mon village, je suis sûr qu'on pourra la soigner. Vraiment? Je voulais pas y retourner avant d'être allé aux terres éloignées. Et là, ça change tout. Venez, en route pour mon village. Il y a une entrée dans la forêt de Nirei. Je vais vous montrer le chemin. Setsuna a quitté votre équipe. On n'est plus que deux. Mais pourquoi t'es pas avec nous alors toi? Puisque t'es censé être dans l'équipe. Ah non, il est parti. Ce qui s'est passé ici est parti. Cet aéronef n'ira nulle part. Tout le monde compte sur cette fille, pas vrai? Dépêchez-vous d'aller l'aider. Ah, on sait pas où ils sont partis eux. On va se dépêcher, aller aider Setsuna. Que de poésie dans ce jeu. Bon, c'est pas des grands trucs, mais c'est tellement beau. Très très poétique.
Alors, la forêt Nirei. La forêt Nirei était là-haut, hein. Hop hop. Il me fallait cette tenue roi. L'entrée. Ah pardon, c'est par là. Forêt de Nirei. Je pense que ça se dit comme ça. Il y a un chemin par ici qui mène à mon village. Allez, suivez-moi. Vous nous refaire les mêmes mobs pour perdre un petit peu de temps. Ouais, je suis censé plus balèze quand même là. J'ai pris quelques levels. Cet effet de lumière là, ici, c'est superbe. Sur les arbres, c'est vraiment très beau. Comme quoi, hein, il suffit pas de grand jeu. Ah non, c'est vrai. Grignotage. Ah là, ils reviennent. Pourquoi je peux pas l'autre milieu là? Allez, on poursuit. Voici le chemin. Un chemin? Je vois pas chemin. Si, c'est un chemin secret. Vous voyez? Pas de mob? Étrange. Alors c'est qui lui? Encore lui? Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois pas qu'on devrait s'occuper de lui, Endo? Pour être tranquille? Non, ignorons-le, il doit pas être méchant lui. Tout à fait, je suis d'accord avec Endo. Cela dit, tu trouves pas ça un peu flippant qu'il nous suive comme ça?
C'est peut-être flippant, mais il est inoffensif. Alors peu importe. C'est pas comme s'il causait des ennuis à qui que ce soit. En tout cas, tu es vite effrayé pour quelqu'un avec une tronche pareille, l'ancien. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Espèce de petit... Bah, c'est vrai que t'as une seule... Ne vous inquiétez pas, il ne nous fera rien, je vous assure. On ne peut rien faire. De toute façon, oui, je pense qu'il fuirait. On va peut-être même pas le toucher, en fait. Bon alors, je suppose qu'on n'a pas à s'en soucier. Si on sait qu'il fera rien. Par contre, le seigneur Avalo était un vrai monstre, lui. Et c'était un humain, un être intelligent. Mais être intelligent ne te rend pas forcément plus humain. Et puis, certains monstres ne sont pas dénués d'intelligence. Et nous alors, on n'est ni l'un ni l'autre. Hein ? T'as dit quelque chose ? Ah oui, vous êtes mi-monstre, mi-pas monstre, vous, c'est évident, avec tes sortes de cornes là. Non, rien. Il a une queue, hein, quand même. Bref, il faut qu'on se dépêche. Setsuna a l'air de souffrir. Une fois qu'on sera passé, on ne sera plus très loin. Accroche-toi, Setsuna. Ça va aller, je suis sincèrement désolé. Tu as dit que tu ne voulais pas retourner dans ton village, et voilà. C'est pas grave, ne t'inquiète pas pour ça, Setsuna. Tu te sens bien? Tu peux marcher? Tilendo, tu penses à ce chevalier bleu? Non. Mais je n'en suis pas certaine. Ça a été fugace, mais pendant un moment j'ai cru sentir quelque chose d'humain chez lui. Mais quoi qu'il en soit, qu'il ait raison. Enfin, a l'air de savoir quelque chose, pardon. D'accord, on est passé de l'autre côté maintenant. Alors, où faut-il aller ? On a récupéré un pendule antique. On va aller là. Le mont Ippai. C'est ici ? Son village là ? On dirait qu'on est arrivé dans une impasse. Tu es sûr qu'il y a vraiment un village ici ? On n'est pas perdu, j'espère. Taisez-vous et suivez-moi. Oh, c'est Harry Potter ! Et voilà, vous voyez ? C'est quoi, de la magie ? C'est pour empêcher des pauvres types comme toi d'entrer, l'ancien. Et qu'est-ce que tu traites de pauvre type, tête à claque ? Allez, on y va. On n'est plus très loin du village. J'aurais peut-être dû sauvegarder, moi. Ah, bagarre ! Frappe croisée. Du poison. Il est pas mort lui? T'as encore? Étrange. Il mange jamais. Peut-être utiliser quand même quelques potions
quelques... Non. J'en ai pas 150 des potions, il va falloir que j'en achète. Charge. Ouais, c'était pas fou. Raté. Ah, mort à tout avec lui là. Oh là 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 là, j'ai fait des bêtises, j'aurais jamais dû attaquer comme ça. Yarzo. Kikanezu. Ah ça, l'outil a attaqué, bah oui, il était en l'air et là, non. C'est aussi simple que ça. Ah, ils avaient pris cher quand même avec ma grande attaque là. Yarzo. On va attendre que l'XP fasse son effet. Hein. Je puisse prendre un level de plus et donc retrouver mes points de vie. Voilà, ils sont pleins là. Ah là 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 là. Ouais, j'aurais peut-être dû effectivement en provoquer moi. Ah là, je suis mort. Et je suis mort. Mais non. Kikanezu. Hai. Ikuze. Ara yotto. Dekiru. Kikanezu. Ah, ils font mal, hein. Dekiru. Elle nous manque cette Tsuna.
bouge rien au niveau de l'inventaire. Attends, je peux pas l'utiliser là. Endo, il a un point de vie, quoi. Technique, peut-être que j'aurais pu utiliser celle de Setsuna, non. Ah, c'est dur. Plume blanche, c'est quoi? On est obligé de regarder maintenant, parce que... Récupère momentanément du bonus de soutien, non. J'ai encore jamais vu de monstre pareil. Ce sont... Ouais mais attaque pas ça. On a plus de points de vie. Quoi? Ce sont des monstres corrompus. On en voit de temps en temps. Lorsque les monstres sont exposés à la spirit puissante trop longtemps, leur corps est affecté. Bien plus fort que les monstres normaux, ils peuvent blesser très facilement si on ne fait pas attention. Je vois, et bien évitons de les approcher pour l'instant. Pourquoi quelqu'un irait chercher des noises à des monstres pareils? Ah bah c'est évident. Tu serais surpris. Apparemment, ils abandonnent des matériaux très rares dont certains téméraires peuvent tenter de les affronter, pardon. Quoi? Non merci. Endo, c'est à toi de décider si tu veux les inventer. Mais en tant que membre de la garde de Setsuna, sa sécurité doit être ma priorité absolue. Ta priorité absolue d'ailleurs. Non, on dégage. Eh, j'ai plus de problème. Ah déjà ceux-là je sais pas comment je vais me les faire. On peut passer là sur les côtés vous pensez? Ah non. Ah dur. Oh là 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 là, j'ai pas sauvegardé. Ouais, c'est qu'il se lance un truc en plus. Ah tu meurs jamais en plus. Mais non. C'est foutu. Ah, c'est foutu. Ah, dur! Game over. Bon, bah écoutez, hein, c'est normal. Je suis parti, je me suis pas préparé. Ah oui, alors par contre... Oh, j'espère que je suis pas obligé de tout recharger. Oh putain, si... Bon bah écoutez, je vais le refaire de mon côté. Bon bah voilà, ouais. C'est pas vrai. Et bon, c'est pas grave, on va essayer d'aller un peu plus vite. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, hein, de notre côté. Moi je vais refaire toute cette petite période, cette petite zone, et puis je m'arrêterai dans la zone qu'il y a juste avant le village en fait. Et puis voilà quoi. Ah, pas possibilité de sauvegarder, dur. Vraiment que je fasse attention à ça, moi. Allez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dirai à bientôt.